Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vlogué, je vous emmène avec moi, j'ai même pas fait d'intro, mais c'est parti, un petit weekly vlog, la lumière est dégueu, ma tête est dégueu, mais c'est pas grave, c'est parti. Vendredi 13, oui bonjour, on est... Laura, commence. Alors aujourd'hui je vous emmène chez le veto avec ma petite Sari. On est le vendredi 13, il est 7h30, direction chez le veto. Vous levez ça là. Direction Bruxelles, c'est pour ça qu'on part tôt le matin. Les bouchons à Bruxelles c'est une catastrophe. Ben c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon ben voilà, on est revenu de chez le veto. Mon choupi s'est fait détartrer, ma petite Sari s'est fait détartrer, tout va bien et c'était pas anesthésie totale, infusion dans le sang, en fait c'était au gaz et donc ça va plus vite et elles sont plus vite réveillées. Bref, j'avoue qu'il faut que je reprenne le pas, j'ai pas beaucoup bloqué, mais aujourd'hui on mange des burgers végé. Bon appétit. La Laura du futur, dites-moi juste, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a des choses importantes dont je parle, mais c'est sûrement, c'est à la fin du vlog. Mais là, j'inclus vite fait un petit clip pour vous demander si vous préférez les longs ou les vlogs courts. C'est un sujet que j'ai eu entre collègues et entre amis. Moi, j'adore les longs vlogs de 30 minutes, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je me retrouve au sol, tentative numéro 2. D'essayer de vloguer et je suis floue. Ah, on va essayer de revloguer la semaine. J'aimerais bien faire un weekly vlog, on verra combien de temps ça dure. Sarah, elle a pas mangé hier. Si, hier elle a recommencé à manger, mais elle a pas mangé pendant une journée. Elle était ballonnée ou dérangée de l'estomac. Elle a fait un de ses pets. J'ai congé toute la semaine, je suis trop contente. C'est pour ça que je me dis que je vais peut-être un peu vloguer. Même si je reste souvent à la maison parce que j'ai vraiment besoin de repos. Là, je reste parce que mon papa vient installer ceci à ma douche. Enfin, plus d'eau partout. De deux, j'ai un rendez-vous cet après-midi que je peux pas filmer, mais c'est à la maison. Et de trois... Oui, et vu que je reste à la maison toute la journée aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais peut-être... je voulais faire une cure de sébum, mais pour filmer du contenu, je sais pas si juste je les plaque. Ou si je les lave un bon coup. On verra. C'est parti, je vous emmène avec moi. Je viens de déjeuner. Et on est en hiver. On va reprendre la vitamine D. Oh, j'ai du mal à avaler des gélules, c'est incroyable. Quelle exagération. Bah, elle est où? Cette tempête dehors. J'ai quand même décidé de me... Oh, c'est le bazar, il faudrait que je range. J'ai quand même décidé de laver mes cheveux parce que je vais quand même faire un peu de contenu. J'ai les vacances, je suis motivée, c'est maintenant ou jamais. Et le rendez-vous arrive aussi, donc je vous dis à tantôt. Vous aussi, vous avez une tonne de cheveux qui tombent après avoir fait une cure ou ne pas vous être lavé les cheveux pendant quelques temps. Hola muchachos, aujourd'hui on est le vendredi 3 novembre je pense. Et voilà, on va sortir ma louche. Louchis. Viens ici, ma belle. Viens ici. J'ai décidé de m'habiller à la cool. Ces chaussures sont vraiment trop confort, même s'il fait encore un peu trop chaud pour les porter. Elles sont super vieilles, je suis super contente de les avoir achetées à l'époque. Deuxième main, super vieux. Deuxième main, tout en kaki. C'est parti. D'ailleurs aujourd'hui en fait on va voir ma grand-mère. Dès que j'ai congé je vais voir ma grand-mère. Parce que voilà, il faut prendre du temps, il faut faire du temps d'aller voir ses aînés parce que c'est super important. Bref, je vous dis à tantôt. C'est beau, chef. Ah, tu vois? Hein, on va te mettre un miroir là. Il est 8h30, je viens de rentrer, j'avais oublié ma caméra de vlog à la maison. On a sorti la louche, mais on a
pas fait grand chose, je dois vous l'avouer. On a mangé des frites. Mais demain, normalement, il y a quelque chose de prévu aussi. Je n'oublierai pas ma caméra. Sur ce, je vous dis une bonne soirée. Et à dans 2 secondes pour vous. À demain pour moi. Ciao. Bonjour, bonjour. Bon, il est... il est 9h moins quart. C'est pas trop tôt. Je me suis quand même levée à 8h et des poussières. Mais voilà. Je sais pas comment ça se fait pendant le congé. Je me lève tôt. Et quand il faut aller au travail, j'ai du mal à me lever tôt. Peut-être parce qu'il n'y a pas de contrainte. Allez, peut-être parce qu'il n'y a pas d'obligation. Soit. Ben, je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée. C'est parti. Hé. Oh. Là. Là. Oh. Elle a des petits zoomies. Oui. Lolo. Lolotte. Je fais mon lit parce que je trouve ça tellement plus satisfaisant quand tu rentres le soir dans ton lit qu'il soit fait. On le laisse respirer. Hop. Vraiment, tous les matins, je prends 5 minutes pour faire mon lit. Ça prend pas grand temps, pas grand chose en temps. Et ça fait beaucoup au moral. Ça va être un vlog maison, un weekly vlog maison, j'ai l'impression. J'avais plein de choses planifiées cette semaine. Il y en a beaucoup qui sont passées, mais il y en a beaucoup qui sont pas passées. Cet après-midi, j'avais quelque chose de prévu. Et c'est pas passé. Bref, là, on attend la Starac. Voilà. Mais à 9h15, je suis déjà à moitié au lit. Bref, je vous dis à demain. Demain, bah, peut-être à lundi, parce que demain, franchement, c'est dimanche, je fous rien. Bref. Je viens de me lever. Il est 7h30. Je vous ai délaissé dimanche et lundi. En fait, hier, j'étais en télétravail. Et il n'y avait vraiment, vraiment pas grand-chose avec moi. Aujourd'hui, je vous prends avec au boulot. Désolée, je me retrouve avec ça sur la tête. Mais hier, j'ai fait un soin pour mes cheveux. Et j'ai pas encore acheté de protège. Bref, un truc. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas montré ma tenue du jour. Je vous montrerai le pull une fois que je suis arrivée. Mais en fait, je filme ça aussi sur Insta et TikTok, mes tenues du jour. Mais voilà, les petites Didi, un très vieux pantalon Topshop petite, une veste deuxième main Lacoste, une écharpe aussi deuxième main. Et puis, un beau petit pull que j'ai reçu pour mon anniversaire, mais je vous le montrerai tantôt. La particularité, c'est parti, je vous prends avec. Me voilà au boulot, et voilà mon petit pull que j'allais vous montrer. Bref, on va continuer à travailler. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. On est en vadrouille avec Cricri. Hello. Et voilà. On va travailler dans un autre endroit que où on travaille d'habitude. Allez, je vous reprends tantôt. Bonjour tout le monde, on est mercredi 8. Je pense que c'est la fin du weekly vlog. Je sais pas si je passerai demain, mais je vous montre le outfit, mon outfit. C'est parti. Alors, on le voit pas très bien, mais j'ai un pull deuxième main fille à papa. J'ai une veste qui appartenait à ma maman, une longue veste comme ça, un pantalon qui appartenait à mon grand-père et des petites docks enfants. Bah voilà, c'est tout. Et une banane que tout le monde connaît. Mercredi, c'est une journée supra chargée normalement. Donc on verra comment elle se déroule. À toutes. Journée inutile pour vous. En fait, je travaille. Et ce que je fais, c'est de la vidéo, du montage. Des visuels, Photoshop, tout ce qui est Adobe. Donc il n'y a pas grand chose que je puisse vous montrer. J'ai envie d'un chocolat chaud. Je ne veux pas seulement du chocolat chaud, mais là j'ai envie d'un bon chocolat chaud. Non, pas de choco de luxe. Le voilà. C'est souvent trop chaud. Oh, et je me le dis encore. Et un bon point avec lequel je voulais discuter avec vous, c'est on m'a demandé ça sert à quoi les weekly vlogs.
Bah, c'est une bonne question. Moi, je filme parce que j'adore faire ça et que voilà, ça m'amuse. Mais je sais pas ce que ça vous apporte à vous. Donc, je vais essayer de chercher un truc comme adopt a shop ou être petite. Enfin, avoir des petites astuces ou des petits trucs pour que les weekly vlogs vous apportent quand même un petit peu de choses. Parce qu'à mon avis, ça vous apporte pas grand chose. C'est plus fun pour moi que pour vous. Mais voilà. Donc, on va chercher ça. Ou dites-moi en commentaire si. Voilà quoi. Je suis un peu gênée parce qu'il y a des gens qui passent. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas clôturé le vlog comme il se doit. Du coup, je le clôture avec ces images super mignonnes, les plus mignonnes que vous aurez sûrement vues. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et j'espère qu'il vous aura plu. Ciao, guys.